C'est tout le monde, Cyrus en compagnie de Mr. Quintero 15. Bonjour. Ah que coucou. Moteur, ça tourne. Comment y allez-vous aujourd'hui? Ça vous dit une petite partie sur Kingdom Hearts? Oh oui. Ça c'était le Whooper là. Salut les enfants. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça vous dit une petite partie sur Skyward? Oh oui. Voilà, donc du coup on est là pour le deuxième épisode de Kingdom Hearts 1 Final Mix, ou Kingdom Hearts HD pour les intimes. Voilà, pour le premier épisode on était en compagnie du Dan V aussi, voilà, pour le lancement. Là du coup je pense qu'il faut peut-être leur parler. Tu es devenu plus fort, oui. Voilà. Ouais, il était en train d'expliquer que Riku est plus fort. Bah ça. En même temps. Je sais pas si tu retournes voir Kairi là, je crois. Tu parles en même temps, ça. Je suis un noob. Donc on l'a vu hein, au dernier épisode. Ouais. On va partir explorer aujourd'hui. Ouais, du coup, c'est là, faut qu'on aille. Elles sont où les autres? Selfie et Barbe. En fait, c'est trois personnages de FF qui sont là, qui sont sur l'île du dessin. C'est si romantique. Ah, juste à noter que KH1 et KH2, je crois, sont les seuls. Je pense pas que sur les autres KH, on les a. Sont les seuls KH où il y a des personnages de Final Fantasy. Y'a quoi ici? Tu verras. Tu verras. Où ça t'emmènera? Ah là, t'es dans un autre endroit de l'île du destin. Ok. Ce sera tout aussi important pour toi, tu verras. Le radeau est presque prêt, on n'a plus qu'à charger la nourriture. Tu sais, Riku, pas du tout. Mais on va le trouver. Hein. Là, il y a un champignon. Je crois que tu trouves Riku maintenant. Est-ce que tu vas faire quelque chose avec lui? Il n'y avait rien dedans. Honteux! Oh! Champignons! J'espère qu'ils sont pas vénéneux. Non. Ouais, je crois qu'il y a une délire où il faudra que tu ramènes de la nourriture aussi pour le radeau. Ah, il est là. Il est là. Mais! Ça tombe en ruine. En fait, Sarah, notre radeau n'a toujours pas de nom. Voyons, au vent, s'il te plaît. Tu l'appellerais comment, toi? Parce qu'elle est bure. Non. Parce qu'elle est bure, non, efface c'est. Efface tout. Moi, j'ai une idée. Efface tout. Efface tout. J'ai une idée. Non. Ah. Non. Ouais, marque un A. Mets le A, un J. Tu mets un J. Un J. Un S. Un F. Et un 3005. C'est vrai, je connais pas plus de place, j'aurais marqué ça et j'aurais marqué pas de skill. Je préfère au vent. Salaud. Encore la course. Bon, je fais l'arbitre. L'arrêt habituel, on passe par où on veut. Et on doit atteindre l'étoile. Faut que t'ailles jusqu'à l'étoile, ouais. Si je gagne mieux, je suis le capitaine. Et si tu gagnes, c'est lui. Ah.
Ça, c'est pour motiver Sora, ça. 3, 2, 1... Moteur. Alors, tu passes... Et tu passes par où tu veux, hein, je veux dire. Tu peux niquer. Mais je suis pas sûr que je vais niquer. J'adore la musique de l'île du dessin. J'adore la musique. Ah. Bah, excuse-moi. J'adore la musique de l'île du dessin, quoi. C'est juste génialissime. Ouais, bon là je crois que c'est bon, hein. Bah, tu veux pas renommer le radeau EGSF, c'est ça? Tu veux pas l'appeler EGSF? Et voilà. Il faut que tu reviennes, il faut que tu reviennes, merde. Faut que tu reviennes. Ah merde. Faut que je fasse l'aller-retour. Je crois que c'est... Ouais, je crois qu'il faut que tu fasses ça. Allez, Sora! Sora! Voilà. Putain, si Sora a fait la... Ah bah c'est mort. Ouais, mais je crois que tu t'es fait avoir. Mais j'ai fait n'importe quoi. Très bien, nous baptisons le... Je peux pas faire de revanche! Non, mais du coup, c'est mort. On n'aura aucune chance. Voilà, tu seras plus amoureux avec elle, quoi. Non, c'est pas le juste. Mais là, normalement, après, ils vont te demander de récupérer de la nourriture. Oh, il y a un truc. Il y a un coffre, là. Il y a un coffre, ouais. Comment je pourrais l'avoir? On va peut-être débloquer quelque chose. On peut faire la caisse peut-être. Et tu l'amènes là-bas. Ah, par contre la caméra. Merde. Les coffres. Collier. Okay. Oh, ça c'est bien, appuie sur start. Tu vas dans l'équipement. Sora, équipement, Sora, épée en bois. Clique sur Sora. Et en bas, descends en bas, descends. Là. Tu cliques sur là et tu mets colis carapace. Et ça fait quoi du coup? Voilà, ça augmente un peu la défense. Ok. C'est les équipements. Après, faut que tu essaies de. Voilà, faut que retourner voir Kairi. Je récupère un peu de nourriture. Ouais. Aujourd'hui, on rassemble les provisions pour le voyage. Alors, voyons ce que tu veux. À 9, 3 champignons, 2 noix de coco, 3 poissons, avec de l'eau, mais pas de l'eau de mer. Bouteille vide. Donc, il va falloir que tu trouves de l'eau de source. Donc, il me manque un œuf, un champignon, 2 noix de coco. 3 poissons et une eau potable. Voilà. Alors que je trouve du poisson. Les poissons, c'est pas compliqué. Hein. C'est dans la mer. Dans la mer, tu vas les récupérer facilement. Faut que tu nages dans la mer en fait. Après, s'ils sont pas là, faut que tu reviennes à l'autre endroit, tu sais, dans l'île du dessin. Bon, pour l'instant, j'en vois pas trop. Peut-être qu'il faut que je me règne un peu plus. Non, mais après, pas... non, c'est dans l'autre endroit, je crois. Ah. Ah, je peux nager comme ça, d'accord. Ici, je crois que tu peux trouver des champignons, je crois. Les noix de coco, faut frapper les arbres. Ah, tu reviens par là d'où tu revenais. Voilà la plage. Je crois qu'il y avait. Il y a... Alors. Voilà, tu vois, là tu peux récupérer des noix de coco, tu vois.
Ouais, y en a un autre là-bas. Il y a un coco là-bas. Les poissons, tu peux les trouver dans l'eau là. Là, je pense que tu peux tomber sur les poissons. Et il y a un œuf juste au-dessus de ce palmier là. Non, tu peux. Il faut qu'il soit fraîche. C'est quoi cette connerie? Et tu peux monter sur l'arbre. Et faut que tu montes justement pour récupérer l'œuf qu'il y a haut. Mais je fais comment pour le récupérer? Faut que tu sautes là. Ah, tu peux pas sauter plus haut? Plus? Non. Parce que normalement là, c'est l'œuf qu'il faut que tu récupères là. Merde. Ah voilà, tu peux monter là-dessus. Bon, souvenez plus. Là, tu vas à côté, tu vas récupérer. Merde. Je sens, tu vas. Putain avoir... Tu vas avoir du mal avec le maniement de soi. Putain, mais c'est pas possible. Ah, je vais avoir du mal. Normalement, tu peux. Voilà. Bon, il manque une noix de coco. Ouais, peut-être avec récupérer les... ça. Là, tu peux en récupérer des autres coups aussi. Elles sont pas fraîches. Continue de le frapper, continue de le frapper. Il va t'en donner des normales normalement. Continue. Non, il t'en donne une bonne au bout d'un moment. Allez. Non, il a pas envie. Et c'est un autre. Et c'est peut-être un autre alors, un autre arbre. Ah. Il y en avait. Voilà. Je crois qu'elle t'a demandé deux, je crois, non c'est ouais, ça. Deux, ouais. Et là, regarde, tu vois les petits trucs là, tu vas avoir des poissons là. J'en ai un. Donc, c'est deux poissons qui évoluent ta. Trois. C'était trois. Trois. Il y en a au fond. Là. Je le. Genre. Non, tu aurais dû l'avoir, ouais. Voilà. T'en as eu un. Il m'en manque un troisième. Non, ils sont pas très loin, je veux dire, t'as pas besoin de chercher bien loin. Hein. Tu dois en trouver facilement. Là, il t'en manque juste un, hein, il doit être quelque part par là. Et l'autre source, t'as pas besoin de chercher bien loin. Bah là. Non, essaie de l'autre côté. Non, non, essaie de l'autre côté si tu veux trouver des poissons. Bah là-bas, ouais. Ah, y'en a un, j'en ai vu un qui bougeait là. Non, non, sur la droite, 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 la droite. Là, regarde là. Ah. Là. Mais. Quel troll. Ah, voilà. Mais maintenant, bon. Il me manque plus que l'autre source. Et un champignon. L'autre source, là, tu vois, l'autre source, elle est juste là. C'est elle là. Ouais. Il me manque juste un champi. L'eau potable, voilà. Il me reste plus qu'un champignon et ça va être bon. Non, t'es pas. Et tu serais pas mal. Ouais, je peux pas aller par là encore. Tu peux y aller, je pense. Non, mais pas les champignons, si c'est. Tu te pourras en trouver facilement aussi. Il y en avait là aussi des cocos. Donc là, il me manque juste un champi. Ouais, il doit être quelque part par là, je pense. Je cherche bien partout.
Non, c'est pas là, va de l'autre côté peut-être. Que là, celui qui était derrière le rocher, je l'ai eu. Ouais. Monte et regarde. Oh, le maniement de Sora est tellement horrible dans ce jeu. C'est abusé. Là, non, il y a pas là. Ah, s'il en faut que je revienne par là, peut-être. Là où il y avait la porte, peut-être. Ah, d'accord, ça ramène là. Non, non, ouais, ça te ramène là, ouais. Bon, attends, sinon, au pire, les gars, bouge pas. Il est où ce fucking dernier champignon? Alors bouge pas. Bouge pas, bouge pas, je vais te dire ça. Il y en avait un là, je l'ai pris. Alors, écoute-moi. Le premier est situé dans une cavité près du radeau. Déplacez le rocher pour y accéder. C'est bon. Le second, dans un bosquet à gauche de la grande tour en de bois. Le dernier au fond de la cachette secrète, près de la plage, une scène s'enclenche en ramassant le champignon durant laquelle Sora fait la connaissance d'un étrange individu. Ouais, c'est bon. D'accord, j'ai la cachette secrète, j'aurais dû y aller. Ouais, voilà. Mais il va t'en manquer un, de toute façon. Non, c'est bon, c'est la cachette secrète qui me manque. Ah, il t'en manquait juste... D'accord. Et de toute façon, normalement, il y a une cinématique qui s'enclenche. Je suis pas si loin que ça. Bon, qu'est-ce qu'on va voir? Ah, il est là. Il est là, juste là. Champignon. Ouh. Je vois Sora et... Devine. Riku ? Non. Non. Ah ! T'as compris ? Kairi. Kairi ? Ouais. De quoi il parle. Ah! Il sera bientôt anéanti. Tu n'as encore. Il y a d'ailleurs cette porte. Bah oui. Il a disparu. Est-ce que ce serait pas le prince des ténèbres? Ah, peut-être. Peut-être Bank, oui, peut-être Bank, non hein. Peut-être. Ou peut-être que c'est Denver qui se cache derrière ce masque. On revient toujours au même. Le seul et unique Denver. Non, faut qu'on aille revoir Kairi.
Vu qu'on a eu le dernier champignon. On a eu toutes les provisions qu'il faut. Le dernier Magic Mushroom. Mais ouais, normalement, ouais, t'as eu le dernier champignon là, donc c'est bon. Ouais. Et merde. J'ai atterri sur The Planche qu'il fallait pas. Comme d'hab. Aïe, va lui parler. J'ai fait un collier de coquillages Thalassa. Les marins en portaient toujours autrefois. Il était censé assurer un voyage sans danger. Tu vois ça? Ouh. C'est un porte-bonheur qui nous aidera à nous retrouver si nous sommes séparés un jour. Nous serons toujours ensemble, tous les trois. Merci Sora, moi aussi j'ai trouvé quelque chose, tiens. Une potion plus. C'est la deuxième qu'elle me donne, c'est bien. Fatigué, ouais, on... Tu peux dire, ouais. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ouais, vas-y. Ok, demain c'est le grand jour. Allons nous reposer. Tum, 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 tum. Comme dans Pokémon. Ah. Ah, c'est beaucoup, chute de soleil. Peut-être. Mm-hmm. On change, enfin, plus ou moins, on change plus ou moins, hein. En grandissant. Je suis en train d'imaginer Denver et Marion Seclin devant un coucher de soleil. Ouais, mais est-ce que tout va se passer comme prévu? Ah. Donald. Je suis navré de partir. Je vais faire la voix. Je suis navré de partir sans dire au revoir. J'ai l'air, pourquoi? Mais les étages s'éteignent les unes après les autres. Soit j'ai levé quand ça, sont pas morts. Désolé de vous abandonner, mais je souhaite comprendre ce mystère. Ah, plutôt. Un garçon possède une clé. La clé de notre survie. Toi et Dago devez le trouver et rester avec lui. Il nous faut cette clé. Ou nous sommes perdus. Rejoignez la ville de Traverse et trouvez Léon. Il vous dira quoi faire. Yes. Peut-être transmettre mes excuses à Milly. Merci, mon ami. Oh oh, oh, c'est d'avoir piqué. Oh oh. Du qui nous accompagnera? Ah! Comment il s'appelle? C'est du mini! Ah! Ouais! C'est lui qui tiendra un journal, justement! Ça semble être journal de bord. Exactement. Il m'a toujours fait rire Dingo dans les dessins animés aussi. Ah mais Donald et Dingo, ils sont tordants de rire dans KH1, mais ils ont un rôle très important. Mmh.
Jeff, you mean while we're in other worlds, we can't let on where we're from, huh? We gotta protect the world border. Right. Oui, l'ordre du monde, pas le désordre. Il a compris tout à l'envers, lui. Là, c'est trop ça. La salle des machines. Oh, tic et tac. Excellent. Ah, ça serait pas le truc récurrent dans la série, ça? Il s'appelle comment? Bon, c'est le vaisseau, mais j'ai pas le nom. Vaisseau Goumi. À la forme de la tête de Mickey. Oh, que c'est mignon, il a fait un clin d'œil à sa copine. Et c'est un fail. Exactement. La seule et unique fois qu'on entendra la maman de Sora. Ah. Et après, on l'entendra plus du tout dans la saga. Exactement. Après, je dis ça, je connais même pas tout à fait la saga, mais bon. Non, mais c'est ça, après, tu ne l'entendras plus parler. Ah. On est enfin plongé dans les ténèbres. Les fameux ennemis récurrents. Voilà, mais sauf que le problème, c'est que tu ne peux pas les frapper. Ah. Donc je serais toi, je fuirais. Parce que sinon, ils vont te défoncer la gueule. Mon avis, faut que j'aille au radeau. Ouais. Bah, faut que tu verras. Là, tu peux pas accéder au passage secret, là. Non, il est loqué. J'ai vu ça. Eh, t'as pas remarqué? Regarde sur la droite, t'as pas vu qu'il y avait quelqu'un? Sur ma droite? Ouais, sur l'espèce de petite île. Vas-y là, vas-y dans cette île. Va sur cette île. Tu verras qui c'est qui t'attend. Tu sais, l'espèce d'îlot là. Il y a les. Voilà. Brice, saute! Voilà! Fais pas le con! Bah, regarde, il y a pas quelqu'un qui t'attend? Vas-y. Riku. Sora. Now we can go to the outside world. What are you talking about? We've got to find Kairi. Kairi's coming with us. Once we step through, we might not be able to come back. We may never see our parents again. There's no turning back. But this may be our only chance. We can't let fear stop us. I'm not afraid of the darkness. Riku.
Mais il peut bouger Riku quand même. Solo. Tu vas voir. Oh. Ah. La fameuse Keyblade. Et ouais. Et là maintenant tu peux attaquer les 5 cœurs. Et là ça fait plaisir de pouvoir les attaquer hein. Ah là 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 là. Donc là, je dois tous les tuer. Et tu vas voir ce qui va se passer. Tu verras ce qui va se passer. Allez. De toute façon, c'est des ennemis récurrents dans la série, de toute façon. Oh, j'ai fait un double kill. Je crois qu'il faut que t'ailles vers la porte. Faut que t'ailles vers la porte là, tu sais, là voilà. Allez, dégagez les gars! C'est Denver qui dirait j'ai les couilles qui grattent! Oh putain! Les qui font des vents! Il serait moteur! Comme dans le premier épisode. Allez, vers la porte, hein. Va vers la porte! Voilà. J'ai les couilles qui grattent et des vents qui font des vents. Denver qui râle, dansant sur le pont d'Avignon. Il attend Marion Séclin. Oula. Oula. Il y en a un truc qui est pas très net dans cette histoire. Comment ça se fait que Kera, enfin Kairi et ouais, Kairi est fantôme. Bizarre, hein. Ouais, bizarre, puis elle a passé à travers Sora. Ouais. Donc voilà. Ah, regarde, tiens, il y a notre ami. Salon ! Les autres, tu te caches ! Je suis sûr que c'est de ta faute à toi. On est dégueulasse pour Denver, lui avoir de ces trucs. Mmh. Ouais, quand c'est pas Denver, c'est Agi. Quand c'est pas Agi, c'est Denver. Voilà. Attention. Putain, je peux pas lui dégommer des pieds. Non, non, là, vraiment, tu peux pas lui taper la main comme ça. J'ai les coups qui grattent. Alors moi je serais toi, je me concentrerais plus sur la main du Darkseid. Voilà. Après normalement il est pas compliqué à battre. Non. Ça fait comme dans le premier épisode au niveau du tuto. Voilà. Non il est vraiment pas compliqué. Ça c'est tellement important. Mmh.
Là, va vers la main. Il tape la main. Oh. J'ai eu attaque et défense qui a augmenté. Ça, c'est cool. Et ça renvoie vers l'au-delà. Allez, tiens bon sang. Ah non. J'y croyais fort en toi. Là, tu vas voir ce qui va se passer. Taverne Town. Et là, ça va être... Là, c'est le commencement. Pourquoi il y a un truc qui s'appelle mail? Peut-être pour la boîte aux lettres. Ouais, c'est pour la boîte aux lettres. En anglais, mail, c'est les courriers. Traverse Town. Ah, j'ai compris. Taverne Town. J'ai où? Ils vont s'empiffrer. Ah non, c'est Sora. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui, c'est pas un rêve. Ta-da-da. On verra plus Kairi. Hey. Mmh. Y a-t-il pas un point de sauvegarde par là? Oui. Dans la... Par là. Ah. C'est vraiment étrange. Je suis dans un autre monde. Eh oui. Je serais pas par là. Ah, yes. Bonjour, je peux vous aider? Oh, c'est qu'un gamin. Je ne suis pas un gamin, je m'appelle Sora. D'accord, calme-toi. Dis-moi, t'as l'air perturbé. Tu es perdu ou quoi? Non, enfin, peut-être. Où nous sommes? Faudrait savoir, bon, je t'explique. La ville de Traverse. Dit le vieux, je suis vraiment dans un autre monde. Ne m'appelle pas le vieux, appelle-moi Sid. Enfin bref, je ne vois pas de quoi tu parles, mais ce qui est clair, c'est que tu n'es plus sur ton île. Je ferais mieux de chercher Riku et Kairi. J'ai pas compris ce que tu cherches, mais bonne chance quand même. Si jamais tu as un souci, viens me voir. Je veillerai sur toi. Ok, ça marche. Merci bien. Et les points de sauvegarde. C'est là que tu verras, là. Là, on va avoir la fameuse rencontre. On verra ça la prochaine fois. Bon, du coup, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cet épisode 2 de Kingdom Hearts HD. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure. N'hésitez pas à checker, comme toujours, la chaîne de Kintaro qui sera en description. Il fait en ce moment, en parallèle, Burk by Sleep, pour ceux qui veulent aller voir. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne, ça ferait plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et j'espère que tu vas t'éclater sur Kingdom Hearts 1. Bien sûr. Allez, ciao, bye bye tout le monde.